De rencontrer des jumeaux, ouais. Donc bon, on va en profiter, hein, on va probablement s'y comparer, eux, comment ils vivent leur gémellité, nous, comment ça se passe. Autant, à mon avis, autant au niveau de la vie personnelle qu'au niveau des études, donc bon, c'est toujours agréable en fait, on se sent un peu moins seul, un peu moins différente. T'es prête? Ouais. Bah, bon après-midi, Lauriane. À plus, à bon courage. C'est donc toute joyeuse qu'elle parte pour Lille. C'est sur la grande place qu'elles doivent les retrouver, et forcément, c'est très facilement qu'ils se reconnaissent tout de suite. Salut. Attends, qui est qui? Émilie. Salut. Ça va bien? Ouais, et toi? Oh, vous ressemblez, c'est dingue. Ouais. Bah, moins que vous, je pense. Ah non. Ils s'appellent Vincent et Julien. Ils vivent à Poitiers, sont de passage à Lille. Leur gémellité, ils ne la vivent pas du tout comme Lise et Émilie. On va boire un verre ou pas? Ouais. Ouais. C'est vrai que là... Nous, on n'est pas des jumeaux très fusionnels, donc on aime bien avoir chacun notre petite vie. Donc ouais. Professionnellement, déjà, on ne travaille pas ensemble. Donc après, on aime bien se revoir de temps en temps, mais on n'est pas non plus inséparables. Et le fait de ne pas se voir la semaine, ça... De toute façon, il y a souvent, en fait, quand on est trop ensemble, il y a beaucoup de tensions entre nous deux. En attendant, le contact est plutôt chaleureux. Pour débuter, les jumeaux décident de raconter aux filles leur jeunesse. Au niveau scolaire, en fait, on a toujours été ensemble. On a été séparés une petite période de CP. On est en primaire. On s'est séparés, ils ont préféré, en fait, ils nous ont forcés à nous séparer. On a fait le choix, ils ont demandé à mes parents. Donc voilà, ils ont préféré nous séparer. On était en même école, mais pas en même classe. Et après, on s'est retrouvés au collège ensemble, au lycée. On a fait les mêmes études et on s'est séparés à la sortie du lycée. Lise va décider, elle, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sans préambule. Est-ce que, comme nous, enfin vous recherchez des jumelles? Pas forcément, c'est une obsession, quoi. Ouais. Non, pas du tout. Mais votre avenir, par exemple, vous ne le voyez pas avec des jumelles et puis vivant dans la même maison, quoi? Non, pas du tout. Ça pourrait se faire, mais avec une distance. On ne cherche pas forcément des jumelles, absolument. Mmh. Après, si on en trouve, il faut vraiment qu'elles ne soient pas fusionnelles non plus, parce que ça pourrait être aussi un handicap. Si elles sont vraiment inséparables et qu'elles ont vraiment envie de vivre ensemble, là-dessus, je pense que ça ne marchera pas. On a eu des copains uniques et on s'est rendu compte qu'ils ne comprenaient pas notre relation. Qu'on avait besoin de se parler tous les jours, de faire les choses tout le temps à deux. Personnellement, c'est pas ce qui me plairait, quoi, d'avoir vivre toujours avec, mon frère et ma belle-sœur. Très vite, c'est évident, l'aspect fusionnel de Lise et Émilie effraie les jumeaux qui préfèrent garder leur distance. Ouais, ça resterait plus amical, ouais. Plus amical, mais... Moi aussi, ça resterait plus amical que... Bon, après, il faut peut-être mieux les connaître encore plus. Oui, il faut peut-être mieux les connaître, hein. Ça, ça...